suis seule à le voir. Juste à côté, madame, quelle heure? Je sais pas pourquoi, mais elle fait peur. Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicotte... Je sens tout fumer. Respire, c'est beau, l'antifantôme. Edgar, qu'est-ce qui se passe? Je te vois tout embrouillé. Parle-moi, Edgar. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Basilic! Tiens, Edgar, c'est du bon basilic frais. Le basilic, ça guérit tout. Le basilic, j'adore. Qu'est-ce que t'as fait de Mme Keller? Elle était prête à tout pour m'empêcher de montrer le film à mon père. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai tout filmé. Alors, je l'ai détachée pour qu'elle fasse le ménage de la maison. C'est bonne, celle-là. Oui. Surtout que c'était même pas vrai que tu l'as filmée. Est-ce que c'est vrai que c'est juste parce que t'es un fantôme que Mme Keller t'en veut comme ça? Moi, je pense qu'il y a autre chose. Si tu veux qu'on me protège comme il faut que tu nous dises ce que c'est. C'est de l'or! C'est mon trésor. Je vous le donne. Les enfants ont montré la cassette à François-Isabelle. Ils ne l'ont pas montré. Ils l'ont montré. Ils ne l'ont pas montré! Jusqu'à ce jour, ce jeu ne m'a jamais menti. Il n'est donc pas trop tard pour récupérer la cassette et la détruire avant que les enfants ne la montrent. Je ne vais pas passer pour une méchante aux yeux de leurs parents. La mascarade a ainsi duré. Je veux en finir. Je suis prête à tout pour atteindre mon but. À tout! C'est fini? Non, pas déjà! Le soir, avant de m'endormir, je compte des pièces d'or au lieu des moutons. J'en reviens toujours pas. Sam, on a un trésor! Je sais, j'arrête pas de le regarder. Ah, et Edgar, comment il va? Ah, il se sent pas bien. Il se cache pour se reposer. Il est pas encore revenu. Avant qu'il parte, tu le voyais comme il faut. Il est plus transparent, hein? Non, il est normal. J'ai eu tellement peur. J'étais sûre qu'elle allait disparaître au complet à cause des boules antifantômes de Mme Keller. Une chance que t'avais du basilic chez toi, sinon... J'aurais perdu mon fantôme. Oh, espèce de Madame Keller. Tout ça, c'est de sa faute. C'est un monstre. Alice, j'ai réfléchi. Et si on veut protéger Edgar, il faut donner le trésor à Madame Keller. Ah oui? Tu penses? Oui. L'enquête est terminée. Toute l'enquête? Déjà? Mais non, Sam, il y a encore plein de choses que je comprends pas. C'est simple, Alice. Madame Keller s'en prend à Edgar pour avoir son trésor. Si on lui donne, elle va laisser tranquille. T'as raison, sauf que... J'aimerais ça revoir les indices avant de lui donner notre trésor. Alice, on va encore avoir des problèmes. Mais non, Madame Keller pense qu'on a le film sur elle qui attaque Edgar. Elle va se tenir tranquille, c'est sûr. Viens, on va regarder les indices une dernière fois. Oui, mais après, c'est fini. On lui donne le trésor. Oui, d'accord. Qui sait si le coupable a succombé? Le survivant peut aussi bien être l'auteur de ce méfait. Trop tôt pour le savoir. Salut tout le monde! Ah! Oh, excuse-moi, je t'ai pas entendu arriver. J'étais trop concentrée sur ma lecture. T'as fini de travailler? Oui. Le père de Gal avait seulement une voiture à faire laver. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tes parents avaient des courses à faire, puis Sam voulait pas y aller, alors j'ai offert de le garder. J'ai dit à ma mère qu'on dînait ici, allez, c'est moi. Oh non! Ça te dérange? Quoi? Non, non, c'est correct. Mes ventes d'antiquités, par exemple, c'est nul. Tu fais encore des choses sur le web? Oui. En passant, merci pour ton idée. Je me suis fait 62 $ depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est génial! Ouais, mais...
Là, personne veut les derniers trucs que j'ai mis à vendre. T'as juste à trouver des nouveaux objets. Excuse-moi, ma super voisine est là. Bonjour, Madame Keller. Bonjour, Laura. J'ai vu l'autre jour que vous aviez une caméra vidéo. Alors, ça m'a donné l'idée de faire une petite publicité maison pour mes chandelles. Est-ce que je peux l'emprunter? Ben, c'est... Oh, t'en fais pas. J'en ai déjà parlé à ta mère. Oh. D'accord. Ben, si ma mère est d'accord, hein, je suis d'accord. C'est gentil. Très gentil. Tenez. En passant, avez-vous ça, vous, des vieux objets dont vous voulez vous débarrasser? Vite comme ça, je pourrais pas te répondre. Je vais faire mon film et je verrai ensuite. D'accord? Merci pour la caméra. Quelque chose, elle. Est-ce qu'il y en a des antiquités chez toi? Celui qui regarde l'or qui brille ne voit plus ce qui se passe autour de lui. Blague de coucou. La pièce d'or dans le bec du coucou, c'est hyper vieux. C'était le truc d'Edgar pour partir en cachette à 5 heures. Oui, mais on sait toujours pas où il va. Il y a peut-être des rendez-vous secrets avec d'autres fantômes qui ont plein de trésors eux aussi. N'importe quoi. T'es drôle, Alice. Tu peux rire tant que tu veux. On sait pas plus où il va. Le trésor est bien caché. Ça, je te l'ai dit l'autre jour. C'est un vieux papier pour la chasse au trèfle. Et là, tu vas me dire que le médaillon, c'était... C'était un prix pour la chasse au trèfle. Une breloque, comme la Keller le dit. Ça vaut rien. Oui, mais pourquoi? Quand j'ai mis la breloque devant le soleil, ça a fait un dessin sur le mur. Ah, ça, j'y ai pensé et j'ai trouvé. C'était le reflet. Le reflet du logo de la compagnie qui a fait le médaillon. Regarde, c'est comme ici, avec l'étoile. Ah, ouais. Et la harpe? Tu l'as dit toi-même. C'est une décoration. Là, tu perds ton temps, Alice. Tu trouveras rien de nouveau. Peut-être, mais... jamais sans enquêter avec toi. Si on arrête, on trouvera jamais rien d'aussi cool à faire. On trouvera autre chose, hein? Là, il faut aller remettre le trésor. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère s'en va chez Madame Keller. Oh non, pistache! Elle veut le trésor. Elle va l'attacher sur une chaise et lui friser le nez pour le faire parler. Alice... Ou pire encore, elle va lui faire croire que s'il dit rien, elle va faire disparaître tous les scooters de toute la planète et là, il va tout dire! Alice! Madame Keller sait pas qu'on a le trésor. Laura non plus. Ah, ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Il faut quand même savoir ce qu'elle veut. C'est pas très ancien, mais tu devrais en tirer un bon prix. Oh, mais merci, Madame Keller, c'est gentil. En passant, comment ça va, votre film? Bien, j'ai terminé. Mais, par mégarde, avant de glisser la cassette dans l'appareil, là, je suis tombée sur une jolie scène familiale que vous avez filmée dernièrement. Oh oui? Laquelle? Ça devait être l'anniversaire de Samuel. Ta mère avait préparé un gâteau d'anniversaire qui ressemblait vaguement à une rondelle de hockey. Oh non, ça c'était pour moi. Ouais, avec mon équipe... Tu m'as coupé la parole, jeune homme. Excusez. Bien. Bref, ce que je voulais te dire, c'est que ces tendres moments familiaux m'ont donné l'idée de faire un petit montage visuel pour ta maman. Est-ce que tu crois que ça lui ferait plaisir? Mais oui. Oh, c'est bien ce que je me disais. Mais pour y arriver, oh, j'ai besoin de plus de matériel. Vous avez sûrement d'autres cassettes? Mais oui, je vais vous en donner. On en a des tonnes. Mais venez avec moi. Oh non, aujourd'hui, j'ai trop mal à ma jambe. Tu serais gentil de me les apporter. Ouais, ok. J'y vais. Voilà. À tout de suite. Ouais. Personne ne les croira. Fin.
Non, pas déjà. Je veux pas. Cri-cri, qu'est-ce qui se passe? T'as brisé ton téléphone cellulaire? Non, je l'ai fermé. Mon livre est archi extra trop super bon. Mais là, je l'ai fini. C'est la fin du monde. Il me reste juste une chose à faire. Bouder. T'es drôle, Cri-cri. Où t'étais? Chez Madame Keller. Pourquoi? Combien de temps t'es restée? Ils ont un problème ou quoi? Elle m'a appelé pour que j'aille chercher ça. Je peux le voir? Oui, mais attention, il y a une couleuvre dedans. C'est une blague. T'es même pas drôle. Viens, on va aller ailleurs. Non, attends, Sam. Il y a sûrement un indice caché là. Ou pire encore, un nouvel antifantôme. T'as raison, il faut vérifier. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je termine un livre ou à la fin d'un bon film, je sens comme un vide. On a plein de livres ici. Prends-en un nouveau? Impossible. J'ai encore trop celui-là en tête. J'imagine une suite, je m'invente des histoires. T'es pas comme ça, toi? Non. Quand je finis une chose, j'en commence une autre. Voyons. Oh, oh non, Laura! Oh, Alice! Oh, je pourrais plus le vendre maintenant. Ben, attends, je sais comment le réparer. Je peux? Si ça t'amuse. Qu'est-ce que tu fais avec les cassettes? C'est pour Madame Keller. Elle a emprunté notre caméra, elle veut faire un montage pour maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Viens, Alice, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, oui. Ça semble bizarre, ces deux-là. Madame Keller cherche la cassette de notre film. Elle va chercher longtemps? Il n'y a même pas de film. Non, mais on va lui en faire un. On va lui dire qu'on a ce qu'elle veut. Oh non, Schnott! C'est elle qui a notre caméra! Ah, on en a une chez moi. Mais on prendra celle-là. Mais avant, il faut continuer nos recherches. T'es comme ta sœur, toi. Tu veux pas que les choses finissent, hein? Non. OK, un peu. Mais là, c'est à cause de mon petit nez. Il me dit qu'il faut poursuivre notre enquête. Ben, reste avec ton petit nez. Moi, je vais remettre le trésor à Madame Keller. Tout seul? Mais non, pistache! Madame Keller va t'attraper et te jeter dans un bain de poudre de cactus et te faire mariner avec du jus de tomate! OK, j'exagère un peu, mais elle est méchante pour vrai, Sam. Il est pas question que tu la vois toute seule. Est-ce que ça veut dire que tu vas m'aider? Mais oui. Mais c'est sûr! Ah, oh, super! OK, on va aller chercher la caméra chez vous. Dans le pot. Il manquait plus rien que ça. La première dent perdue de bébé Sam, la première randonnée à bicyclette de Laurent, les premiers gâteaux, les premiers ci, les premiers ça, tout y est, tout! Sauf la cassette où je m'en prends aux petits fantômes et à ses complices. Oh, les petites pestes l'ont sûrement cachée. C'est qu'une question de temps avant qu'il la montre à François et Isabelle. Ils me laisseront plus jamais rentrer dans cette foutue maison! Je n'ai pas le choix. Je vais prendre les grands moyens pour me débarrasser de cette famille. Comme ça, la saperlotte de Madame Keller pourra pas nous faire de mal. Allez, on tourne. N'oublie pas, il faut que tu lui montres qu'elle nous fait pas peur. Oui, oui, je suis prêt. Dans 3, 2, 1, action! Salut, Madame Keller. On a ce que vous voulez, mais avant qu'on vous le donne, il y a une condition. On veut que vous écriviez... Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu dises que vous écriviez, pas que vous écrivez. Action! Il y a une condition. On veut que vous écriviez une lettre qui dit que plus jamais
Vous allez faire du mal à mon ami fantôme. Si vous êtes d'accord, agitez un drapeau blanc près de votre porte et venez dans ma chambre. Mais je vous préviens, si vous êtes pas fine, vous allez avoir de gros ennuis. Coupé. Ben, c'est bien. Mais ce serait encore mieux si t'avais l'air plus méchant pour la dernière réplique. Un peu comme ça. Mais je vous préviens, si vous êtes pas fine, vous allez avoir de gros ennuis. Oh oui, d'accord, je suis vrai. Action. Mais je vous préviens, si vous êtes pas fine, vous allez avoir de gros ennuis. Oh, super! Ah, c'est parfait. Bravo, Sam. Merci. Mais est-ce que tu crois que mon frère va accepter d'aller la porter? Mais oui. Quand Cricri est là, il se force pour être fin. Alice, attends! Les clochettes, il faut que t'expliques à Cricri quoi faire. Ah oui, c'est vrai. Merci. On se retrouve dans la cabane. Oui, je passe par le côté. Tu délires, Cricri. Personne va acheter une horreur pareille. Moi, je le trouve magnifique. Original, mais magnifique. Si je vais acheter mon scooter un jour, il va falloir que je trouve une nouvelle façon de me faire de l'argent. Oh, wow, Cricri! Oh, il est beau, le coffre! Si tu le veux, demande-le à Laurent. Il est sûr qu'il le vendra jamais. J'ai jamais dit que j'essayerai pas. Je vais mettre une annonce, puis si ça fonctionne pas, je te le donnerai. Merci. En attendant, j'ai un petit service à te demander. Quoi? Sam a trouvé une autre cassette vidéo. Aimerait ça que t'ailles la porter à Mme Keller. Hey, wow! Est-ce que j'ai l'air d'être son valet, moi? J'irai faire ses commissions tout seul. Je vais y aller, moi. Non. J'aime mieux que tu finisses ton œuvre d'art. J'y vais. Tiens. Merci. De rien. Et d'habitude, quand tu finis un livre, tu boutes plus longtemps que ça. C'est vrai. Mais là, je me suis mise à peine, puis il faut croire que ma nouvelle activité m'a fait tout oublier. Sam et moi aussi, on a commencé un nouveau jeu. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Je peux pas te le dire. C'est un secret. Mais si jamais t'entends ce bruit-là, il faut que tu viennes vite, vite, vite au grenier. D'accord? Promis, chef. Merci, Cricri. C'est fait. Si ma sœur entend les clochettes, elle va venir. Moi, j'ai vu mon frère. Il est allé porter la cassette à Mme Keller. Mais est-ce que tu crois qu'elle va venir? Pour avoir son trésor? Mais oui, c'est sûr. Et après, tout est fini pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire, Sam? Je sais pas. On pourrait peinturer la cabane. Oui, mais ce sera jamais aussi amusant que notre chasse au trésor. Je l'ai. On peut essayer de piéger Mme Keller pour prouver à tout le monde que c'est une méchante. Mais non. Quand elle va avoir son trésor, elle va partir en croisière. Croisière? Pourquoi? Quand les gens sont riches, c'est ça qu'ils font. Dans ce cas-là, on trouvera une façon d'entrer dans sa maison. On va détruire toutes ces potions anti-fantômes. Et celles qu'elle utilise pour tuer les animaux. C'est vrai, elle les déteste. Oh, je suis certaine qu'il y a des squelettes de souris partout dans sa cave. Puis des squelettes de dinosaures. Alice, regarde. Elle agite son drapeau blanc. Oh, vite, il faut aller au grenier. Attends, Sam. J'ai un petit peu peur. Est-ce qu'on fait la bonne chose? Le petit fantôme a-t-il vraiment donné aux enfants ce que je veux depuis des années et des années? Oh non, c'est impossible. Oh, mais je lui ai peut-être fait peur avec mon fusil à boule anti-fantôme. Je dois en avoir le cœur net.
Madame Keller est arrivée. Ça va bien se passer, tu vas voir. Oui, ça va bien se passer. Bonjour, les enfants. Où est la chose? Ici. Mais avant, on veut la lettre. Je veux d'abord voir le contenu de cette boîte. Voici. On n'en a pas gardé une seule. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de cette mort? Dis à ton petit fantôme de malheur. Arrêtez. Super Laurent est arrivé. Qu'est-ce qui se passe ici? On rigolait avec les enfants. Je leur parlais de mes idées de montage et ils m'ont donné des bonnes... Oui, je vais poursuivre mon travail. Pourquoi t'es venue à la place de ma sœur? Elle est captivée par sa nouvelle activité. Elle veut tout peindre. Mais pourquoi vous vouliez que je vienne ici? Oublie ça. Merci d'être venue. Merci. De rien. C'est pas l'or qu'il voulait. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais une chose est sûre. Edgar est encore en danger. Moi qui pensais qu'on s'en irait, c'est loin d'être fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens construire ta cabane. Tape tfo.org/samchicotte.